Honorable Kovo Ingila, le président du Rassemblement Autorité Morale, a conféré avec vous. Pouvez-vous nous dire quel a été l'essentiel de votre rencontre? Je crois que j'ai répondu à son appel parce qu'il y avait une nécessité de pouvoir échanger tout autour de tout ce qui s'est dit au niveau du Rassemblement afin de pouvoir, en tant qu'élu du peuple, éclairer un peu le peuple congolais dans notre démarche politique. Donc nous avons échangé sur le sujet d'actualité et plus précisément tout ce qui se passe au niveau du Rassemblement. Nous voulons avoir des précisions clairement. Votre plateforme dynamique, elle, Martin Fayulu, soutient la candidature, l'élection du président du Rassemblement, Félix Antoine. Nous avons pris acte de tout ce qui s'est passé ici. Je crois que vous avez même suivi la déclaration que la dynamique avait faite. Et au niveau de la dynamique, il n'y a pas deux dynamiques. Il n'y a qu'une seule dynamique qui est là. Les autres, elles, là, c'est un groupe de dissidents. Ce sont les amis qu'on avait recrutés pour pouvoir nous joindre dans le combat qu'est mené la dynamique. Donc, lorsqu'il faut parler de la dynamique, il faut voir un peu la structure qui dirige actuellement la dynamique. C'est Martin Fayulu qu'on a pu désigner comme étant modérateur. Un dernier mot à la population congolaise qui vous regarde maintenant. Alors, les derniers mots, je dirais que la population puisse continuer à faire confiance au Rassemblement. Il est vrai que nous avons restitué le Rassemblement en question. Et on se prépare pour pouvoir vraiment faire un travail de communication et faire aussi des descentes sur terrain, animer aussi des matinées politiques pour pouvoir éclairer un peu notre opinion, donc afin de pouvoir avoir une idée fixe de ce que nous sommes en train de faire politiquement. Merci, honorable. Je vous remercie, moi.